Bienvenue sur palon.org. Alors regardez, aujourd'hui je me suis équipé. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai deux nids de frelons dans la palombière. Là je suis armé jusqu'aux dents et on va aller voir ce que ça donne et comment je peux les attaquer, parce que ces deux nids qui sont à l'opposé l'un de l'autre et un qui est pas facile à avoir. Alors on va regarder ça. Il y en a un au fond là-bas, mais il est tout petit. Et puis il y a celui-là là sur la gauche là. Voilà. Bon, alors maintenant. Oh mais il a grossi par rapport à hier. Ah mais oui, mais il a grossi, oui, bien sûr. Hein. Bon, mais écoutez, hein. J'essaie de voir déjà celui du fond. Allez, c'est bon. Je crois que j'ai réussi à faire mon massacre. Ça va les faire bouger un peu. Mais là, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup dans les nids. Donc il y en a beaucoup qui sont dehors. Donc il faudra que je revienne pour positionner un piège et pour pouvoir les attraper. Et cette année, malheureusement, j'ai pas positionné les pièges suffisamment tôt. L'idéal, c'est de les mettre au mois de février pour attraper les rennes. Comme ça, ça limite. Sinon, au mois de mai-juin, ben, c'est la meilleure période. Mais on en attrape beaucoup, certes, mais pas forcément les rennes. Donc là, je vais m'y prendre malheureusement un petit peu trop tard. Mais bon, au moins là, c'est fait. Je vais quand même vérifier s'il n'y en a pas là-dedans.